Merci beaucoup, Choco Prébier. Et elle nous a honoré en tout cas de sa présence. Elle nous a accompagnés tout au long de la semaine avec sa suave et envoûtante voix. C'est la plus jeune artiste chanteuse évangéliste du Burkina Faso. Anna Simpouré est avec nous. Nous sommes en direct et en voilà. Nous ne sommes pas en avril, donc c'est pas poisson d'avril. Voilà, elle est avec nous. Anna, tu nous rejoins en ce moment. Anna Simpouré qui nous accompagne. Tu viens, Anna, viens, ma petite chouchou. Viens. Voilà. Anna, comment tu vas? Installe-toi. Voilà, installe-toi. 50 corps ont été retrouvés sur les lieux. Des unités sont engagées sur le terrain pour faire un point précis des dégâts humains. Voilà, elle est installée. Anna, tu peux faire un petit show sur ça? Vas-y, voilà, fais un petit show sur ça. Ouais. Yeah.
Merci, merci ma fille. Comment tu vas, Anna? Merci, installe-toi. Merci ma fille. Oh là là, très belle chanson, une très très belle voix et une grande présence scénique. Alors, Anna, ce matin, comment tu te sens? Bon, tout d'abord, bonjour à vous. Oui. Et bonjour à tous mes tontons qui sont là, mes tantes. Oui. Bonjour à tous ceux qui me regardent à ce moment. Oui. Bonjour mes fans. Voilà. Anna Sempore vous passe le bonjour. Ouais. Pas mal de fans, Anna. Alors, cette belle chanson à l'instant, Sougri, c'est ta toute dernière trouvaille musicale, c'est un maxi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est... Oui, oui, c'est un maxi que voilà. Je viens de faire sortir. C'est un maxi. Oui, oui. Voilà. Dans quel esprit tu as composé cette chanson? Tout d'abord, je dis merci à Dieu de m'avoir donné l'inspiration. Absolument. J'ai vu que le pays, le Burkina Faso, va mal. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai demandé à Dieu de m'aider à composer un chant qui va vraiment toucher le cœur des gens qui pourront vraiment se pardonner. Ouais. Le Seigneur m'a entendu, il m'a donné vraiment le chant Sougri. Oui. Et je dis merci beaucoup. Alors, à Dieu. Quel est le message que tu véhicules dans cette chanson? Sougri, ça veut dire... Le pardon. Le pardon. Oui, alors, oui. Quel message tu véhicules dans cette chanson? Le message que j'ai, c'est de demander aux gens, mes parents, les amis, à tous ceux qui me regardent actuellement, de se pardonner, de s'aimer d'abord avant de pouvoir se pardonner. Ouais. Voilà. Ouais. Très jeune pour des chansons thématiques, mais ce n'est pas ta toute première chanson thématique. Tu as combien de maxi, combien d'albums sur le marché des disques? Ok, merci beaucoup. Et grâce à Dieu, j'ai 4. Oui, oui. 4 albums. Oui, oui, 4 albums. 4 albums. Oui, oui. Voilà. Le premier. Le premier s'est intitulé Tchenomiam. Oui. Quand j'avais l'âge de 9 ans. De 9 ans. Oui, oui. Oui. Et le deuxième intitulé Exhibis. Oui. Et quand j'avais l'âge de 15-16 ans. Oui. Voilà. Et le troisième s'est intitulé Kinsi Kompuli Korongo. Oui. Scolarisation des filles. C'est ça. Oui. Et le quatrième, c'est Sougri. Voilà, c'est Sougri. Oui. Et puis, il faut noter que toutes ces sorties discographiques ont bénéficié, en tout cas, d'un accueil assez chaleureux de tous les Burkinabés. Est-ce que toi, tu t'attendais à un tel succès, à un tel accueil de tous tes albums qui sont sortis? Franchement, non. Non. Bon, tout d'abord, je vais dire merci à mon papy Sidnaba et également à Sa Majesté le Mogo Naba. Oui. Et aussi dire merci au pasteur Étienne Zongo et aussi Monsieur Yero Boli et ministre d'État chargé de la cohésion sociale. Ministre d'État, oui. Ok. Monsieur Abdoulaye Basenga, le gouverneur de la région. Oui. Et El Hadji Moussa Kwanda, le président de la communauté musulmane. Oui. Et aussi mon papy, cardinal Philips Ouédraogo. Et aussi, je n'oublie pas mon papa adoré, papa Abdou Service. Oui. Et aussi, merci à la RTB. Oui. Merci à tous mes fans. Toutes ces personnes qui t'ont accompagné depuis le début de ta carrière. Okay. Alors, c'est vrai que l'inspiration est divine. Oui, oui. Voilà. Et qui t'accompagne encore dans tes compositions? Je dis merci beaucoup à mon papa adoré.
Ouais. Papa Simpore, Salomon, oui. À ma maman, ma ouais. maman chérie. Et merci beaucoup à mon papa, tonton Joacin Ima, le PDG de CFPM International. Oui. Merci beaucoup à mon tonton Ederia Myogo, parce que c'est tu en as tellement que tu, on doit tout citer. C'est ça. Alors, qui t'accompagne au studio? Quels sont ceux qui t'accompagnent au studio? Ceux qui m'accompagnent au studio, c'est mon papa. Oui. Mon papa. Voilà, mon papa, c'est lui qui m'accompagne au studio, c'est oui. lui qui est toujours là à mes côtés pour oui. me corriger. Oui. Voilà. Est-ce que tes parents font la musique? Est-ce que tes parents sont artistes? Oui, oui, mes parents sont artistes parce que je suis née déjà trouvé que mes deux parents chantent. D'accord. Donc, ce qui fait que je suis aussi dans la musique. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ce qui veut dire que logiquement, ils étaient d'accord. Pour que tu chantes. Oui. Est-ce qu'il t'accompagne également dans la composition de tes chansons? Est-ce qu'ils interviennent dans la composition de tes chansons? Ou c'est oui. toi qui compose et qui les propose tes chansons? Oui, ils interviennent. Il y a papa aussi qui est là, comme ouais. le chant Sougri. Ouais. On a composé ça à deux. D'accord. Et les civismes également. Souvent aussi, c'est l'inspiration que Dieu me donne et lui aussi, il est là, ouais. il m'accompagne. Ouais. Voilà. Ouais. Admise au BPC en 2022, oui, oui. Rien que l'an passé. Oui, oui. Alors, la suite de ta carrière, comment toi tu vois la suite de ta carrière? Bon, je prie le bon Dieu de m'aider. Oui. Et de m'aider. Pour que je puisse rester dans la foi ouais. et aussi et qu'il m'aide aussi parce que je rêve vraiment et faire des grands concerts oui. et des grandes scènes voilà. que ce soit sur le plan national que sur le plan international. Donc je demande à Dieu vraiment de m'aider à réaliser ouais. mon rêve ouais. alors c'est sûr je te dis aujourd'hui c'est avec en tout cas le contrôle du Seigneur que tu seras une très grande chanteuse oui. à l'échelle internationale, sinon tu l'es déjà. Tu es déjà une superstar pour moi okay. et pour tous les Burkinabés. Merci on te beaucoup. Regarde avec admiration, on te regarde avec affection. Merci. Parce que vu ton jeune âge, avec ce que tu arrives à véhiculer comme message de paix, comme message d'amour, comme message de cohésion sociale, comme sensibilisation de la population burkinabé, on s'est dit, waouh, le talent n'atteint point le nombre des années. Merci. Et tu as des très, très, très beaux jours devant toi dans oui. ta carrière musicale. Amen. Alors, quels sont les artistes qui t'inspirent? Ah, les artistes qui m'inspirent, c'est d'abord Tanti Dena Moana, oui. Tanti Deborah Lukaku, oui. et aussi Tata Ella Chinda. Oui. Voilà, Tanti ouais. Florencia également, elle est là. Ouais. voilà. Voilà. Donc, on a des modèles, on suit ces modèles. Oui. Et tous les modèles pris, en tout cas, pour que Anna Nikema vole de ses propres ailes et aller très 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 loin. Alors, le maxi est sorti depuis combien de temps déjà? Bon, ça vient de sortir. Ça vient juste 2022, de sortir. Bon, je peux dire en mai comme ça. Oui. Voilà. Voilà. Où on peut trouver ce maxi? Bon, on peut trouver ça partout. Oui. Voilà. Et je vais vous laisser un contact à la fin. Oui. Voilà. À travers ça, vous pouvez appeler. D'accord. On va vous trouver ça. D'accord. Oui. Est-ce que tu joues déjà en live? Oui. Grâce à Dieu, je me débrouille pas mal. Donc, oui. ça va. Ça va. oui, oui. Est-ce que tu peux nous faire un a cappella d'une de tes chansons? Ok. Je vais le faire. Oui. Bon, Sougri, parce que j'aime trop le chant. Moi, j'adore. ok. Ouais. Winam siya sugu soba gomine ne basunya buchinda basunya tinga metab sunya tubkotab sugri titinga ganbane gomna ne tinga naba rogomik na nam safa tubzine nyehne taba labkotab sugri soda sanab lam gomne modo zine yesini taba
La écoute à Absougri, Titinga Ganbane, Sorosabie Winde, Gominene Basunya, Uchinda Basunya, Tinga Metsunya, Tubkota Absougri, Titinga Ganbane. Merci Anna, c'est un talent brut, c'est un talent à l'état pur et simple. Merci pour, merci pour ce bonheur. Merci pour ce bonheur. Merci. Alors, juste après, après la sortie, est-ce qu'il y a un concert ou des concerts qui sont prévus? Ok, oui, oui, après la sortie, grâce à Dieu, cette année 2023, oui. J'ai déjà 10 ans de carrière, oui. Donc merci ouais. beaucoup au bon Dieu. Donc j'aurais vraiment fait un concert d'action de grâce et en même temps un concert de paix. D'accord. Voilà. D'accord. C'est un projet. C'est un projet. Voilà. Voilà. Est-ce que ça va être seulement à Ouagadougou? Est-ce qu'on ne peut pas faire un peu le tour des villes du Burkina? Parce que partout, on a besoin quand même de ce message de paix, surtout venant de la Grande Anna. Bon, c'est mon souhait. Et je demande également à tous ceux qui sont en direct avec moi actuellement ouais. de m'aider vraiment à réaliser ça, parce que ça va beaucoup m'aider et ouais. ça va aussi aider le pays et les enfants aussi comme moi, ouais. mes grandes soeurs, mes petites soeurs, ça ouais. va vraiment nous aider. Oui, voilà. C'est vrai. J'ai l'impression que tu ne veux pas grandir. Hein? Bon, si je pouvais rester comme ça, j'allais rester comme ça. Ouais. Bon, mais malheureusement, non. Mais comme on le dit, tu le resteras, puisque l'âge, c'est dans la tête. Hein. C'est ça. Voilà, l'âge, c'est dans la tête. Alors, Anna, comment toi, tu arrives à concilier la musique et tes études? Bon, grâce à mon papa, grâce ouais. à mes deux parents, ouais. tout va bien. Parce que pendant l'année scolaire, j'arrête tout. C'est pas les congés, voilà, et les vacances. Les vacances, maintenant, je reprends tout et je fais mes tournées, mes concerts, voilà, et mes invitations, voilà. Ouais, waouh, magnifique. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Je suis déjà dans le domaine de transit, transport, logistique. Oui. Bon, mais je veux aussi devenir vraiment trop, trop grande dans mon domaine. Oui, dans ton domaine. Oui, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut demander à Anna si elle rencontre des difficultés dans sa carrière musicale? Oui. Ah, je oui? rencontre des difficultés. Oui. Bon, mais grâce à Dieu, Dieu fait toujours. Quelles sont ces difficultés qu'une si petite fille comme toi rencontre dans sa carrière? Bon, les difficultés que je peux donner, je peux souligner, ouais. C'est d'abord niveau études, ouais. parce que là-bas, c'était un peu bizarre, mais grâce à Dieu, tout ouais. va bien. Ouais. Et aussi, bon, je peux dire que c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ouais. aussi niveau financier. Oui. Voilà. Pour t'accompagner. Voilà, pour m'accompagner. Voilà. J'allais en venir, tes albums, ce sont des autoproductions ou tu as un producteur? Bon, je peux dire que mon producteur, c'est mon papa. Ouais. Voilà, c'est lui qui est toujours là à mes côtés. Mais pour le moment, il y a un aussi qui est là, c'est Jovi Production, je crois. D'accord. Voilà, qui est là aussi, qui m'accompagne. D'accord. Mais c'est mon papa qui est mon producteur. Producteur, manager. Voilà, producteur, bon, manager, c'est tonton Ederian Diego, D'accord. chargé aussi de la communication. Oui, la voilà. communication. Alors, l'école s'est réparti encore pour l'école, ce qui veut dire que tu vas mettre encore une pause pour ta carrière. Est-ce que tu ne penses pas que cette manière de faire sera un frein pour ta carrière? Non, je ne pense pas. Parce que
Dieu est toujours là à mes côtés. Ouais. Je sais qu'il sera toujours là pour moi. Voilà. Donc je l'inspiration sera toujours là. Voilà, je suis sûre que tout ira bien. Ouais. Oui. Merci beaucoup, Anna. J'ai passé un grand moment avec toi. Merci beaucoup. Il faut rappeler que c'est Anna et Simpori. Oui. Et puis sa toute dernière trouvaille musicale est baptisée Sougri, le pardon. Oui. Plus qu'un mot, est une puissance qui libère. C'est ça. Voilà. Oui. Ça vient de qui? De toi? Bon, ça vient pas de moi. Ah. Je crois que mais le papi Sinava également aime dit ça. Ouais. Le papi Sinava, il aime dit ça. Ouais. Bon, mais la racine, franchement, je ne sais pas. Ouais. Mais c'est quand même, j'aime trop. Cette citation quand voilà. même. Voilà. Voilà. C'est très important. Voilà. Le pardon, plus qu'un mot. C'est une puissance qui libère. Qui libère. Oui, oui. Voilà. Toi, tu es venu nous libérer ce matin avec ton talent, avec ta bonne humeur, avec ce magnifique sourire qui véhicule toujours la paix, l'amour. Et puis toujours, il faut dire que c'est celle qui donne aussi l'amour aux enfants, l'avocate des enfants. Et merci beaucoup pour les compliments. Voilà. Alors, tu disais que tu allais nous laisser un numéro pour ceux qui veulent t'accompagner. Oui, oui. Parce que on me dit que tu peux le faire exceptionnellement. Tu peux le faire exceptionnellement. On permet à Anna de le faire. Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est de 73 49 41 03. 76 23 03 22. On va aller doucement. D'abord, okay. Le premier. 73 oui. 49 oui. 41 03. D'accord. 76 oui. 23 oui. 03 oui. 22. Merci beaucoup. Et puis ceux qui n'ont pas eu le temps de mentionner, de prendre l'air calpin, peut passer par la production de notre émission Fofo. Et nous allons servir de pont entre ces mécènes. Et la grande Anna Simpori. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tu sais que je t'adore bien. Moi également. Parce que je te connais encore toute petite. Voilà, on a eu à partager un plateau ensemble. Okay. Voilà, on a eu à partager un plateau et il y a plus de 7 ans de cela. C'est ça. Voilà. Je crois que c'est quand j'avais l'âge de 12 ans. Tu avais 12 ans à peu près. Oui. Tu avais 12 ans à peu près. Lors d'une cérémonie. Oui, voilà. Merci beaucoup. On te souhaite en tout cas bonne carrière. On te souhaite que du bonheur, que du bonheur, amen, que du bonheur. Amen, amen, amen. Et puis également, on fait un gros bisou à maman. Oui, à papa maman. Aussi, oui, vraiment, oui. Des parents fantastiques. Je les adore. Moi, nous aussi, ici, tout le monde adore et Anna. Et surtout aussi longue vie à eux. Voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et la santé de fait. Bien sûr. Longue vie parce qu'il faut que les parents voient déjà Anna sur une grande scène à l'échelle internationale, qu'on assiste aussi au mariage de Anna, qu'on voit amen. Aussi les arrière petits-enfants de Anna. Amen, amen. Voilà, merci beaucoup, merci. Merci. Et ils seront très heureux. Merci voilà. beaucoup. Voilà, c'est une famille, en tout cas, bénie de Dieu. C'est ça. Voilà, que le Seigneur vous accompagne amen, tout amen. Au long de votre existence amen. Sur terre et que le Seigneur, en tout cas, te bénisse pour toutes les grandes inspirations. Amen. Voilà, pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup à vous, papa. Merci. Soyez bénis également. Amen, amen. Et longue vie à vous, santé merci. De fer. Merci. Merci beaucoup. On en a besoin. On t'accompagne avec un de tes clips. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. De la ville de Dorgui a été la cible d'une attaque terroriste. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, 50 corps ont été retrouvés sur les lieux. Des unités sont engagées sur le terrain pour faire un point précis des dégâts humains et matériels. Le point de la conférence. Let's
Merci beaucoup, merci à la jeune, la ravissante Anna Sempouré. Voilà, une très bonne nouvelle pour les téléspectateurs de la chaîne, toujours au cœur de grands événements, la RTB en ce début.